What's your name? My name is Sophie. Sophie. And you? Effie. Effie? Yes. Okay. You're in Paris, you're in holidays? Yeah, we're actually here just for one day to give out these flowers actually to all the people here in Paris. It's very nice, very cool. Well, it's just as a gift for the people here in Paris after all the bad things that happen here. We just wanted to show that there is still a lot of love here in this world and just to give back a little bit of kindness actually. Salut, comment vas-tu? Bienvenue. Oh, oh, oh. Hey, quelle délicate, attention. Je vais t'expliquer. Je veux bien. Paul, on se connaît depuis quelques années maintenant. Hein. Ouais, c'est ça. Je devais pas voir Paul Blanc. Paul Peanuts, pour ceux qui te connaissent pas, tu es producteur électro. Voilà, une musique nouvelle avec des ordinateurs. Ouais, c'est ça, je réduirais pas mal ça en fait à, ou j'ouvrirais ça en fait à l'électronique en fait, tout simplement. Tu as commencé dans les années 90? Ouais, c'est ça, toute fin 90, au milieu des années 90, j'ai commencé à faire un petit peu des fêtes, à découvrir les fêtes techno. Ouais. Après du coup, j'ai voulu pratiquer le DJing, ouais. Faire découvrir, écouter de la musique. Du coup, ça je l'ai fait quelques années, je l'ai fait principalement au départ, je l'ai fait dans ce qu'on appelait les free parties, ouais. Donc des fêtes gratuites en plein air ou dans des hangars l'hiver, mais voilà, des lieux, comment dire... Un petit peu alternatifs. Exactement. On peut parler de ça. On peut parler de ça, c'est ça. Les années 90, on va pas faire les nostalgiques, on va pas faire les... Non, lieux, non, non, non. Mais qu'est-ce qu'il en reste de ces années 90, l'effervescence? Il y avait la French Touch, il y avait Garnier, Le Rex, puis également toutes les... Le Rex, tu fais bien de le nommer, ouais. C'est un peu pour moi, ce qui est rigolo, c'est que d'ailleurs justement, je crois que c'est cette année encore, Le Rex a été élu encore un des meilleurs clubs d'Europe. Ouais. Donc comme quoi les mecs, 25 piges après, ils sont toujours là. J'y ai traîné... mon lycée quoi en fait, hein. Tout mon lycée je l'ai fait au Rex Club. Hein. T'as passé ton bac là-bas en fait? J'ai passé mon bac au Rex Club quoi. Un bac Rex Club, Rex Club existe ouais. Comment tu trouves l'évolution justement des free parties, du monde de l'électro? Est-ce que ça s'est industrialisé? Est-ce que ça s'est professionnalisé? Est-ce que c'est devenu plus banal? Professionnalisé c'est pas mal le mot quand même malgré tout, parce qu'en 10 ans... je sais pas si tu parles d'une période entre 95 et j'en sais rien 2005 ou début des années 2000, ouais, ouais. En 6-7 ans, rien que la qualité sonore s'est professionnalisée quoi en fait. Clairement, ouais. Parce que du coup, au départ, c'était un peu on fabrique nos propres enceintes, on va dans les champs et puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a quoi. Et après, il y a eu pas une course, mais malgré tout, petit à petit, l'envie de faire de plus en plus gros, de plus en plus costaud, avec de plus en plus de monde. Mmh. Je pense que ça, tout milieu a connu ça à peu près. Tout milieu musical, que ce soit le rock, tout ça, c'est pareil. Hein. Il y a un moment, tu as envie de toucher du monde malgré tout. Donc quand tu organises des fêtes et que tu joues de la musique, c'est malgré tout pour être entendu. Donc après, ça grossit, puis après, tu trouves ta place ou non dans ce que ça devient en fait. On va parler de ton actualité, Paul Peanuts, mais tu... Ouais. Le plus un d'un groupe très célèbre de l'électro qui s'appelle Banditos. Banditos, ouais, tout à fait, avec Seb, mon compère. Exactement. Ouais. Banditos, ça fait combien de temps déjà? On a démarré, on a posé notre premier live en 99. Banditos, il y a toujours quelque chose qui me frappe, c'est que c'est une légende, c'est une, j'allais dire, une marque de fabrique et qui fait déplacer des foules inconstables. Comment tu expliques ce succès? Il y a plusieurs choses. Déjà à l'époque, on n'était pas nombreux, comparé à aujourd'hui où il y a 50 000 artistes qui sont chez eux à pouvoir le faire, tout le monde peut le faire avec un ordinateur, ce qu'on faisait à l'époque avec les machines ou des choses comme ça quoi. Mm-hmm. Donc déjà à l'époque, sur scène, on n'était pas très nombreux, donc du coup c'est un peu plus facile quand même pour faire connaître. Mm-hmm. Après nous on a eu plusieurs pratiques, on a eu par exemple, on a toujours donné notre musique gratuitement. Donc au tout début, quoi, parce qu'on estimait que l'intérêt c'était d'être écouté, pour que les gens aient envie de venir te voir, aient envie de t'écouter, aient envie de te faire jouer. Bien sûr. Donc du coup on était parti sur une base où en fait bah, c'était un peu les débuts d'internet et du don de la musique, quoi, en fait, finalement. Donc du coup on te donnait tout. Et bah, je pense que ça a joué beaucoup quand même malgré tout à nous faire connaître. Et après on avait peut-être un petit style un peu particulier. Je pense qu'en ouais, une patte et un manque de sérieux, je pense aussi. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de samples, beaucoup de choses comme ça qui venaient de, enfin, tu vois, de la quatrième dimension, de choses comme ça. On aimait bien rire de notre musique. Et même si c'était, on évoluait dans un milieu où la musique était assez dure, je dirais, bah voilà, ça rigolait pas mal. Il y avait une ambiance un peu, enfin on n'aimait pas trop le côté très sombre de tout ça, et donc du coup bah, on avait une musique plutôt joyeuse entre guillemets quand même là-dedans. Je crois que t'offres un petit peu d'amour bah, à nos téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Ouais. Faire chauffer un petit peu ton accordéon électronique pour nous faire bah, découvrir un petit peu derrière ces machines. Eh bah écoute, ouais. Et donc du coup, bah, on peut commencer à s'amuser un peu. Tiens, je vais virer tout ça. On va éteindre tout ça. Tiens, hop. On va faire un petit stop de tout. Puis on va commencer par des petits trucs. On peut écouter des petites choses. Alors attends, on va mettre un peu de son quand même. Attends, un petit peu quand même. On peut passer sur des petites choses comme ça, qui sont assez rigolotes. Chez moi, comme tu vois, on reste quand même assez binaire. Ah oui. Voilà, en même temps, là, j'ai ouvert ce projet-là. Tu vois, il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont faites à l'intérieur, quoi. Mais après, on peut rajouter des choses en temps réel. On peut commencer à s'amuser. On peut chercher des sons. Donc, du coup, tu peux commencer à passer quelques petits sons. Mais là, c'est ce qu'on appelle, tu vois, un peu le step séquenceur. Tu poses des événements, tu passes des choses, tu t'amuses avec. Et tu produis combien de morceaux alors? Ah, c'est là, c'est la question. C'est tellement aléatoire. En fait, je pense qu'il est possible parfois d'arriver à composer, on va dire, la trame ou l'esprit d'un morceau. Tu peux parfois en faire 2 ou 3 par jour. Si vraiment, je sais pas pourquoi, ce jour-là, tout se passe bien ou tu es très inspiré. Et parfois, ça m'arrive bah, du coup de travailler ces morceaux après sur la longueur pour essayer de les exploiter, de les retransformer. Mais ça peut m'arriver pendant presque un mois de pas arriver à sortir quelque chose qui me plaît. Donc c'est vraiment très aléatoire par rapport à... Je dirais que c'est lié aussi à la vie quotidienne, à toutes les choses qui se passent dans ta vie. Donc... Ça compte beaucoup, justement, le fait de... Ouais, je pense. Ouais, je pense. Surtout... Bah, c'est pareil que tu vois, comme on entend là, quand même, malgré tout, ça reste assez joyeux, c'est pas très glauque comme univers. Et bah voilà, malgré tout, quand tu habites dans une ville comme Paris, c'est pas tous les jours que tu vois quelque chose de rose, de sympathique. On t'offre pas tous les jours des fleurs quand tu ouvres la porte. Voilà, c'est pas moi qui vais bien aimer. Donc, du coup, bah, tu vis pas toujours, voilà. Puis après, il y a le quotidien, il y a tout, il y a l'amour, il y a tout ça. Donc, c'est plutôt ouais, par période, quoi, en fait, généralement que ça se danse et que ça se crée chez moi, quoi, en tout cas. D'accord. Et j'ai du mal, en tout cas, à me dire je me mets à ma machine, aujourd'hui je vais faire un morceau, quoi. C'est pas le boulot, quoi. C'est pas le boulot, ouais. Le matin, j'aime bien écouter pas mal de choses, souvent pas ma musique, mais du coup ça m'emmène sur des trucs et parfois ça me ramène à ma musique. Donc du coup j'ai envie de la faire écouter un petit peu quand même malgré tout. D'accord, j'aurais justement une dernière question par rapport à la ouais. Qui n'est pas la tienne. Ouais. Si on me proposait d'aller jouer dans l'un des endroits les plus dingues du monde, mais tu seras obligé de mixer avec soit David Guetta ou Bob Sinclar, tu choisirais qui? Soit David Guetta, soit Bob Sinclar. Ouais, je sais pas, quand tu regardes sur les photos, David Guetta... Il a des cheveux. Ouais, il a des cheveux, il est blond, il a l'air sympa, ma foi, il sourit, il a l'air un peu sympa quand même ce type. Après, moi, je t'avoue que j'irais presque finalement plus vers David Guetta, parce que ce mec a une histoire malgré tout. C'est quand même le mec qui jouait justement dans les années 90, il était DJ aux platines du Bain-Douche. C'est malgré tout un des DJ pionniers de la techno à Paris. Il a créé des énormes espaces de soirées, de fêtes que je trouve assez géniaux pour l'époque. Après, effectivement, c'est pas un artiste que je vais écouter le matin en me réveillant. Alors, Bob Sinclar, j'aurais un peu plus de mal, je pense, avec le type. Il y a un peu moins d'histoire, hein, quand même, malgré tout. Un peu moins. Il fait partie peut-être de la toute fin de la French Touch. Il connaît un peu les mecs de cette époque-là. Il les a croisés, il a dû les voir. Après, voilà, lui, il pose plus avec des paires de fesses, des strings à côté de sa tête. C'est un truc, hein, c'est pareil, hein, c'est un business. Le mec fait son business très bien et ça a l'air de marcher pour lui. Hein. Donc, on va demander à David, on fait un appel à David Guetta. Ouais, c'est ça. Paul Peanuts, c'est ok pour. Ouais, moi je suis pas contre. L'endroit le plus dingue du monde pour venir jouer, mixer. En fait, on fait quoi, 20 minutes? Ouais. 20 minutes, ça sera bien déjà. Ouais, ça sera déjà correct. Ça paraît correct. Et puis, bah, moi, Paul, bah, je te remercie. Eh bah, écoute. Avec ses machines. Merci à toi d'être venu ici dans mon antre. Et voilà, dans ton antre. Et puis, bah, je sais qu'on va se revoir d'ici peu, très peu. Oh ouais. Voilà pour d'autres aventures. Merci. Avec grand plaisir. Mets de l'eau pour ta rose, pour bien garder ta rose. Il faut rester un petit peu binaire dans tout ça.